mais qui vient d'être promue momie officielle de l'hôtel Transylvanie. Ouh. Cool ta robe de chambre. Qui? C'est aussi la seule et unique momie de l'hôtel Transylvanie. Mais nous attendons l'arrivée d'un bus complet de centaures en voyage organisé. Et ils sont complètement fous des reliques de momies et surtout celles qui sont en vie. Génial! Ces centaures vont être collés à toi comme la mousse sur une pierre tombale. Sérieux, je vois vraiment pas ce que les centaures trouvent aux momies. Normal, c'est culturel. Ils croient aussi que les gremlins portent chance, que les vampires sont malins. Hein. Et que les créatures des marais sont des tas de crottes. Oh, Toutou, détends-toi, Ginger. Rentre trop vite. Mais qu'est-ce que tu caches là-dessous? D'habitude, elles décompressent sous mes bandelettes, mais je les ai enlevées pour les laver. D'où cette super robe de chambre. Il faut bien un début à tout, pas vrai? Pour les laver? Et où sont tes bandelettes maintenant, Pedro? Je les ai mises à sécher dans le pavillon, évidemment. Oh, le gâteau d'enfer! La momie doit s'éclipser! Oh non, je crois bien que je suis tombée sur ces bandelettes. Ces trucs sont bons à jeter. Allez! Bon débarras! Il faut qu'on arrange ça. Presto! Oh? Comment ça? D'accord, on t'aide. Quelle mauviette! C'est pas ma faute, je suis un gentil monstre. Bon, il faut trouver des bandelettes pour Pedro. Et j'ai une idée pour ça. Salut Maude, t'aurais pas un vieux torchon qui pue pour emmailloter une momie? Il vous faut un bout de tissu, alors servez-vous! Ah, l'enfer! Wow. Nom d'une peste noire! Mais ne mettez pas le bazar où je vous transforme tous en la plus affreuse de toutes les créatures! Oh, licorne! J'ai tout entendu, Maude. Boucle la berthe. On fait tomber une housse de coussin et paf, on finit en licorne! Pas de bazar, compris! Celui-ci ressemble parfaitement à... Oh, quelle douceur! Il mérite bien de la soie. Et hop, problème résolu. Waouh, je suis la meilleure. Après ça, je mérite bien une bonne journée de repos. Tante Lydia, tiens, quel mauvais vent vous amène? Je viens récupérer mes nouveaux voilages importés du Mexique. Voilà votre commande. 20% laine de yeti musqué, 80% de croton naturel cultivé dans le Yucatan. Et pourrais-tu me dire ce que toi, tu fais ici? Je m'occupe du linge sale. Linge sale? Oui. Du linge sale. Sans commentaire.